Bonjour, nous sommes le mardi 1er mars 2016. Je voudrais réagir déjà sur la question de l'antisémitisme, puisque c'est la semaine que France Culture, dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, consacre à cette question. Alors, je n'ai pas tout écouté, nous sommes que mardi, j'ai surtout écouté la discussion avec Joël Ancel sur Mankiewicz avec Adelman. Hier, c'était Sartre, etc. Alors, d'abord, je dois reconnaître que je suis un petit peu énervé, mais ça, c'est un point de vue personnel, énervé par le fait que c'est une discussion entre deux femmes. Et j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai dit que lorsqu'une discussion n'est pas mixte, elle ne correspond qu'à une certaine sensibilité, elle n'est pas équilibrée. Donc là, la parité, elle n'est pas respectée. Ça fausse forcément la discussion, mais une autre. Maintenant, Yankelevitch, c'est vraiment un cas extrême de quelqu'un qui veut à tout prix mettre l'accent sur tout ce qui distingue les uns des autres, les personnes les unes des autres. Et par conséquent, il a une sorte d'allergie envers toute forme d'appartenance collective, toute forme de regard sur le collectif. Et évidemment, ça ne me convient pas. Certes, les Juifs sont tous différents. À un certain niveau, au sein d'un groupe, tous les éléments sont différents, ne serait-ce que par quelques détails. Et justement, on sait à quel point Mankiewicz s'intéresse au je ne sais quoi, au presque rien, etc. Donc, à utiliser Mankiewicz pour comprendre la question juive, ça me paraît assez paradoxal et assez invraisemblable. La conception de Jean-Paul Sartre, je n'ai pas écouté l'émission, mais je connais bien son œuvre, enfin, je la connais pas mal, puisqu'une des premières conférences date de 65-66 sur ce sujet à Paris-Assas, dans le cadre du séminaire de sociologie de Duverger. Enfin, à l'époque, j'avais pas du tout forcément les mêmes opinions qu'aujourd'hui. Et encore que. Et je crois qu'en effet, le regard de l'autre est important. Et même les Juifs doivent accepter le regard de l'autre. Que le regard de l'autre permette de prendre conscience de ce qui nous rassemble, alors qu'entre nous, nous n'en prenons pas forcément conscience. Je pense même, par exemple, que les Israéliens, entre eux, sont conscients qu'ils sont très différents les uns des autres. Et néanmoins, le regard sur Israël peut leur faire prendre conscience d'une certaine unité. Donc, cette recherche d'unité, de conscience unitaire, elle ne peut pas être apportée de l'intérieur, elle est forcément apportée de l'extérieur. Et donc, nous avons beaucoup à gagner, beaucoup à apprendre, à entendre le discours extérieur. Alors, que ce discours, et c'est vrai aussi bien sûr pour les femmes, elles ont beaucoup à apprendre à entendre le discours extérieur, c'est-à-dire notamment celui des hommes. Et là aussi, bien entendu, une discussion entre femmes, quand on sait à quel point il y a une sorte de traumatisme sur le regard extérieur, elle reporte ce traumatisme du regard extérieur vers les femmes, et elle l'étend au regard extérieur sur les Juifs et sur toute autre population. Donc là, ça va très très loin, ça mine l'ensemble du discours, en quelque sorte, de ces gens-là. Bon. Donc, oui, c'est vrai que dès lors qu'on fait apparaître une différence entre un groupe et un autre, et à partir du moment où je définis un groupe dans sa globalité, je le distingue des autres groupes, c'est la fameuse laïcité dont je parle, c'est-à-dire que chaque groupe est perçu comme différent par rapport aux autres groupes, du point de vue des autres groupes. Et c'est à l'État de faire cohabiter ces différents groupes.
n'y a pas d'unité. Alors moi, je ne suis pas du tout dans la conception unitaire de la France et de quelque groupe que ce soit d'ailleurs. Tout groupe, à la fois, a une existence globale, mais aussi est responsable de la coexistence au sein de son propre groupe, de l'harmonisation au sein de son propre groupe, en tout cas, une vie en harmonie. Par exemple, chez les Juifs, eh bien, il y a des Juifs religieux, il y a des Juifs laïcs, il y a des Juifs libéraux, il y a des toutes sortes de Juifs qui, malgré tout, en dépit des différences considérables, se retrouvent quelque part. Il y a des Juifs qui sont pour Israël, ceux qui ne sont pas, etc. Donc, cette diversité n'est pas la preuve qu'il n'y a pas d'unité. Vous voyez, il suffirait, à ce moment-là, de mettre l'accent sur certaines différences pour dire, puisqu'il y a des différences, il n'y a pas d'unité. C'est un argument d'une très grande mauvaise foi, qui peut évidemment être justifié pour des raisons stratégiques, en disant, parce que si on commence à reconnaître ceci ou cela, où va-t-on? Mais ça, on n'a pas à entrer dans ce genre de seconde, d'arrière-pensée. Si on dit ceci, qu'est-ce qui va être compris, etc. Parce qu'à ce moment-là, on dit n'importe quoi, du moment que ça peut servir à brouiller les pistes. Ce qui n'est pas du tout mon objectif. Ce n'est pas forcément dénué d'objectifs pour d'autres personnes. Donc, effectivement, tâche de l'État, quand je dis l'État, c'est une façon de parler, tâche de l'instance qui unifie ou qui est censée gérer l'ensemble d'un groupe, que ce soit un État, que ce soit au sein de chaque État, d'ailleurs, il y a des groupes qui eux-mêmes doivent être également gérés dans leur unité. Bon, et en même temps, alors évidemment, vous me direz, mais en on entre sur, c'est une sorte de cercle vicieux, parce que si on commence à unifier un ensemble, on va dire, mais vous voyez, vous donnez des verges pour vous faire fouetter, puisque vous montrez que cet ensemble, il est finalement relativement unifié. Donc, il ne faut pas unifier. Et donc, si on ne faut pas unifier, il ne faut pas chercher à unifier. Et donc, il ne faut pas chercher à harmoniser, pas chercher... Bon, donc finalement, c'est une pente glissante, on se demande où on peut aller dans ce genre de direction, complètement apolitique. Non, il est clair que un groupe a le droit de chercher à harmoniser ses composantes intérieures, quitte à laisser, à favoriser l'impression d'une similitude globale, pourquoi pas, tout en étant conscient, bien entendu, que le regard extérieur, lui, il va encore plus généraliser. Et ce regard extérieur, c'est le regard, je vais employer un mot qui va peut-être choquer, scientifique. C'est-à-dire celui qui est extérieur à l'objet. Parce que quand l'objet lui-même se met à parler de ce qu'il est, on n'est plus dans la science, quelque part. C'est un vaste débat, question de subjectivité, objectivité, mais il est évident que les sciences humaines, sciences sociales, ont été énormément pénalisées par le déni que l'objet d'étude peut apporter et par tout un ensemble de discours que l'objet d'étude peut apporter et donc il va imposer la prise en compte à l'observateur. C'est ce que j'appelle le récepteur qui fait la loi à l'émetteur, à l'observateur. Alors, c'est comme si les astres nous imposaient de dire certaines choses à leur sujet. Et alors là, justement, c'est un vaste débat, puisqu'en astrologie, justement, l'observateur a le droit, se donne le droit, de dire des astres, des choses qui ne sont pas forcément assumées par les astres mêmes, autrement dit, par les radioastronomes, par ceux qui étudient les astres en tant que tels, et d'où la querelle entre astrologues et astronomes, les astronomes n'acceptant pas que il y ait un regard extérieur et qu'il y ait éventuellement une instrumentalisation de ce qui est étudié. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet de l'antisémitisme, c'est-à-dire que moi, je suis dans cette position. Si les Juifs sont perçus comme un ensemble qui traverse l'histoire et qui existe quelque part, ben c'est probablement pas par hasard. Maintenant, que les explications scientifiques, que la terminologie soit erronée, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne une mauvaise argumentation qu'il n'y a pas débat et il n'y a pas raison de chercher. Parce que si ça consiste à dire, puisqu'il y a des gens qui ont dit n'importe quoi sur ce sujet-là, on ne va plus étudier ce sujet, mais c'est inacceptable.
Thank you.